Hop, ok, non, j'ai même pas besoin de faire pause. Utilise le glisseur pour trouver un accès au dépôt d'armes dans les catacombes de Berlin. Anya suivra sa position grâce au transpondeur et elle te fournira des informations tactiques. Bonne chance, Blazkowicz. Ces eaux sont dangereuses. William, tu m'entends? Tu vas devoir traverser le tunnel des égouts pour atteindre les catacombes de Berlin. Je vais essayer de te guider. Ok, c'est parti. Donc voilà, nous sommes donc au chapitre suivant. Pourquoi il veut pas se mettre... Ok, oula, oui, d'accord. Là, nous avons masse choses à ramasser. Des artbooks, personnages, amélioration de santé. Donc ça, je sais où il est. Et enregistrement. Alors, je reprends mon souffle. L'enregistrement, en fait, c'est Anya, à un certain moment donné, en fait, de l'avancement donc du chapitre, va vous réciter un passage, je sais pas trop quoi. Enfin, vous allez voir, de toute façon... Oh. Appuyez sur R2 et ok pour avancer, reculer, d'accord. Bon, ça risque d'être un petit peu problématique en fait pour le maniement de ce bordel. Ok, d'accord, donc là c'est inversé déjà. Alors à savoir que nous n'avons pas la carte des égouts. Et donc on va galérer. Ok, donc en soi, ce chapitre est pas très très long, hein. Oh, illustration, débloquer les égouts. Le vieux tunnel d'égouts sous Berlin sont abandonnés depuis des années. Le cercle de Krausche les utilise pour accéder aux différentes parties de la ville. Ok. Tac. Oula. Oulala, oulalalala. Tu devras peut-être descendre du glisseur pour supprimer les obstacles qui te barrent la route. Mais n'oublie pas où tu l'as laissé. Tac. Désobéi à mon père et je me suis plongé dans l'eau. C'était comme si ma peau était en feu. C'était comme si ma peau était en feu. D'accord, donc là je sais pas trop ce que tu racontes, Basco, mais... Caroline m'a dit que quelques prisonniers avaient essayé de s'évader par les égouts avec des objets de valeur il y a quelques années. Ils ne sont pas allés très loin. Alors là, hop, on se barre et on va passer par ici. Pourquoi? Parce que là, c'est un petit passage justement qui mène à des objets qu'on va aller ramasser. Hop. Bon, là, il y a un petit bug hein, d'affichage, mais bon, c'est pas très grave. Tac, tac, tac. Hop, on va aller par là. Donc vu qu'on a masse choses, hop, on va ramasser le livre en or. Au passage, on voit qu'il y a quelqu'un qui habitait ici, hein, quand même. Hein, donc c'est assez bizarre. Une lettre, hop, lettre d'Ingrid, qu'on va lire. Attends, j'espère que ce serait pas très très long. Chère mamie, papa et moi, on a laissé maman à la gare parce qu'elle devait aller chercher mon frère après l'orage a éclaté et tout le monde a eu très peur, mais papa m'a dit de ne pas m'inquiéter. On s'est caché dans une cave sous la ville avec plein d'autres gens, certains m'ont poussé, mais papa s'est énervé et leur a crié dessus. J'étais dit avec moi, mais il a perdu un œil et il n'a pas d'hôpital ici, alors les docteurs ne peuvent pas le soigner. Je ne sais pas combien de temps on va rester ici, tu viendras me voir, tu viendras nous voir. Je trouve que ta confiture de fraises est la meilleure du monde, surtout sur du pain grillé avec plein de beurre. Voilà un dessin de moi et papa, et maman et Jacob. Je t'aime, Ingrid. Ok. Bon. Hop, on récupère le fragment de code qui se trouve là. Par contre, je sais pas s'il faut que je passe par en bas ou que je revienne là-bas. Parce qu'en soi, si je passe par là, où est-ce que je vais atterrir? Ah bah d'accord. Ok, bon bah j'ai rien dit. Hein. Alors par contre, je suis désolé, je vais faire quelques petites pauses comme ça. C'est en fait pour savoir où se trouve le prochain objet à ramasser. Ok, donc le prochain objet, je sais où il est. Ok, bon, je sais où ils sont. C'est parti. Alors par exemple, là vous voyez, on ne peut pas passer. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va sortir. On va aller par là. À 13 ans, je suis tombé dans la mare, près des étables. Je rentrais couvert de sangsues.
Tac, on ouvre la grille. Alors si vous êtes sur le truc, vous voyez que vous respirez en fait. Si vous y êtes pas, bah vous ne respirez pas, c'est logique. Donc c'est pour ça qu'il faut faire vite quand vous nagez en dehors du truc. Quelque chose que je voudrais te dire. Je suis en train de lire un journal que m'a donné ma grand-mère. C'est celui de ma cousine Ramona. Elle travaillait avec nous à l'asile. Elle est morte depuis. Mais elle protégeait de nombreux secrets. Comme elle ne pouvait se confier à personne, elle a tout mis par écrit. Je vais t'envoyer les messages radio dans ton journal. Tu pourras les écouter si tu en as le temps. Tac, donc on a obtenu le premier journal. C'est en polonais, mais je vais te traduire. 11 mai 1940. Ça ne fait que 3 jours que je suis rentrée, et voilà que les nazis ont débarqué en ville. Ils ont tué Jakub Blaszek. Une balle dans la tête. Son cheval bloquait la route. C'est lui qui m'avait appris à embrasser. Je ne vais pas les laisser faire impunément. Ok, voilà, donc c'est des, comme je vous l'ai dit, c'est des petits enregistrements, voilà, que Anya va vous passer comme ça. Pour ça, hein, tout simplement. Alors par contre, ici normalement je devrais avoir. Alors attendez. Tac tac tac. C'est pas là. Bon, apparemment, c'est pas là. Bon, on continue, hein. Nanana, on est dans les égouts. La section dans laquelle tu te trouves est désaffectée depuis longtemps. Mais certaines machines sont peut-être toujours en état de marche. Donc là, on doit repositionner les roues. Bon, chose assez facile, vous allez voir. Tac. Alors, je crois qu'on peut... Ouais, non, là, c'est fermé. Alors, si vous tenez le levier, en fait, la roue va continuer à tourner. Donc, ce qu'on veut, c'est que vous voyez, on a deux roues à passer. On va essayer de configurer le truc pour qu'on puisse passer en une seule fois. J'avais pas vu que j'avais une arme. Illustration débloquée, roue hydraulique. Les mécanismes cassés oubliés comme ce système de pompage sont monnaie courante dans cette partie des égouts de Berlin. Ok. Est-ce que j'ai d'autres armes que le flingue? Ah ah, j'ai deux pistolets. Ok. Bon, on va reprendre ça. Wouhou! Je crois que ça sera pas suffisant, malheureusement. Ah si, ça l'est. Ok. Par contre, là, faut qu'on mette de l'eau. Alors, faut qu'on remette de la flotte. Je crois que c'est par là, hein. Autrefois, ce bâton servait à réguler les débordements. Tac. Tu vas devoir trouver le moyen d'atteindre la plateforme de l'autre côté. Alors, vous avez vu le coffre qui est en bas. Donc, c'est notre amélioration de santé. On va aller la chercher. Hop. Alors, par contre, faut vous grouiller parce qu'on n'a pas beaucoup. On n'a pas beaucoup d'air. Hop, on récupère des balles et l'amélioration de santé. Et on remonte vite, vite, vite. Hop, voilà. Donc, on a récupéré notre amélioration de santé. Il fallait pas aller en bas. Essaie de trouver un mécanisme permettant de remplir le bassin. Le niveau de l'eau doit être au maximum pour que tu puisses traverser. Oui, je sais, j'y vais. J'y vais, Anya, j'y cours, j'y vole. Bon, de toute façon, il n'y a que par là que je puisse aller. Tac. Ah. Donc là, je vous laisse faire pause pour lire. Hop, bon. Deuxième journal de Ramona. 12 mai 1940. Les nazis se sont installés dans le poste de police. Ils demandent aux habitants de s'engager dans leur armée. Je vais me porter volontaire pour trouver un moyen de les tuer. Cette Ramona, elle est à fond, quoi.
Donc là, on a notre fragment de code, hein, vous le voyez. Par contre, on va pouvoir aller le chercher que tout à l'heure. Ah, là, on a la carte. Ça, ça fait plaisir. Faut que je pense à prendre la carte à chaque fois, hein, sinon, bah, on est dans le caca. Donc là, on remplit au maximum. Notre but, c'est d'aller en face. Hein. Donc, je vous le rappelle. Merde. Tac, voilà. Donc là, on peut repasser par là. Là, on va récupérer ça. Alors, est-ce que je peux aller le chercher maintenant? Alors, il me semble pas. Hein. Je crois que c'est tout à l'heure. Ok, bon. On va aller... Hop. On va aller par là. Pourquoi? Parce que là, on a hop, notre fameux un trésor à récupérer. Si j'arrive à aller le chercher. Hop, la louche en or. Tac. Alors, il y a plein d'objets qu'on n'a pas récupérés, en sachant que... Oui, on va repasser par là. Tac. Tac, 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 tac. Pourquoi on repasse par là? Parce que là, on va se stopper. On va aller là-bas. Et on va récupérer un autre objet. La lanterne en or. Hop, je vous la montre. Et on a un autre objet à aller récupérer. Il se trouve là-bas. J'ai du mal à avancer sous l'eau. Hop, serpent en or. Oula. Je suis bloqué, vite. Alors je vais vous le montrer juste après. Faut que je retourne à mon vaisseau. Serpent en or, voilà. Alors, je vais regarder... Juste ma petite liste, en sachant que voilà, je viens de récupérer le serpent en or. Et donc là, on va repasser par là. Ah oui, et après je peux remonter. Ok, oui, d'accord. Il faut que j'aille par où? Par là-bas. On a déjà récupéré pas mal de d'objets bah, à récupérer, tout simplement. Ok. Bon, c'est un peu glauque hein, dans les égouts, hein. Je vous l'accorde. Ok, oula. Ok, ok, je suis bloqué. Alors là, je crois que voilà, je peux passer en fait avec le machin. Alors là, on va le ramener à la surface. Hop. Et donc là, souvenez-vous, en fait, l'échelle, là, il est cassé. Donc on avait besoin, en fait, de, bah, de mettre de la flotte pour passer. Ce qui nous est possible maintenant. Pour aller récupérer le fameux truc de code là, je sais plus trop. Hop, voilà. Alors j'en ai récupéré quoi? Deux. Ouais, il nous en manque pas mal. Tac. Donc notre fameux prochain objet. Là on a la moitié. Hein. Donc il est par là. Avance. Je crois que j'ai même plus besoin du bordel en fait. Attendez, pourquoi je suis coincé? Tac. Atteindre la plateforme. Piloter le glisseur. Je me doute. Ok, savoir un autre truc. Je suis en train de regarder mes notes. Hein. Ok, donc là, celui-là, il est là. Celui-là, il est juste après. Euh,
Par contre, là, je crois qu'on a des ennemis, si je dis pas de conneries. Bon, on verra après. Ouais! Peut-être. Alors le courant vous pousse, hein, vous le voyez. Alors par contre, il faut que je prenne... Voilà, ceci, on va débloquer la bombe. Tac. Alors ça, c'est des bombes. On va aller débloquer la deuxième aussi, tiens. Hop. Là, faut que je remonte. Donc là, il y a la deuxième qui va aller ouvrir le portail qui se trouve là-bas. Putain, c'est chiant que je puisse pas avancer, enfin, avancer qu'à ce rythme-là. Alors, on va à gauche, ici. Sortir ça, on sait jamais. À savoir que... Ok, on a un quatrième journal. Ok, on va récupérer donc le fragment de code. À savoir qu'ici on a une porte qu'on peut crocheter, mais que si on a fait la version de Wyatt en fait, pour avoir l'amélioration d'armure tout simplement. Donc là c'est fermé, on va continuer. En bas je crois qu'il n'y a rien du tout. Ah si. Bah, c'est par en bas qu'il faut passer apparemment. Donc bon. Journal de Ramona 5. Bon, cette Ramona est un petit peu timbrée, hein. J'ai nagé dans les fosses au-dessous des laboratoires de Boucher. Mais c'était pas aussi sale que maintenant. Ouais, donc, pardon, j'étais juste en train de voir où était le prochain élément. Alors, là, on a encore une... Ah oui, non, ça on peut la déverrouiller. On prend le fragment de code. Il n'y a rien d'autre. Bonjour, bonjour. Ah ouais, alors là c'est la suite. Il me semble qu'il faut que j'aille. Alors, ici. Je peux remonter ou pas? Oui, je peux remonter. Ok. Je crois qu'il faut que j'aille là. Hop, voilà. Ensuite, il faut que j'aille... Alors, si vous tombez là, par contre, vous mourrez. Allez, grimpe. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? Normalement, le prochain élément devrait se trouver ici. Hop, fragment de code. Attendez, je regarde vite fait. Ça, fragment de code qui se trouve là. Après, il y a des trucs dorés et les prochains éléments sont plus tard. Ah oui, ok. Alors par contre... Tac, ça je le baisse. Ah oui, alors là il fait un petit peu noir, je sais pas si vous allez voir quelque chose. Donc là on a une lunule en or.
Donc on a récupéré tous les objets dorés. Les derniers éléments donc sont les fragments de code. On a un personnage et après bon, on a différents encore trucs à voir. Par contre c'est chiant. Est-ce que je peux... Ah oui, je peux partir par là. Ok. Wouhou. Le sixième journal de Ramona. Ok, bon, ta cousine a l'air un petit peu bizarre quand même. Hein. Alors là, vous avez des trucs à casser si jamais vous avez besoin de certaines choses. Des grenades, par exemple. A savoir que dans celui-là, je crois qu'il n'y a rien. C'est parti. On a bientôt récupéré. Here we go. Ok, donc cette dame est folle, hein, évidemment. Et conduis-le à la gare souterraine abandonnée au nord d'ici. Ok. Notre équipe t'attendra là-bas. Klaus t'en dira plus quand tu le rejoindras. Donc là, on récupère une amélioration pour le LKW amélioré Tesla. Qu'est-ce donc est maintenant équipé d'une unité Tesla qui modifie la fréquence du rayon pour lui permettre de toucher toutes les cibles mécaniques à proximité de sa trajectoire. Donc ça, c'est sympathique. Alors faut que je tue des gens avec, hein, si je me souviens bien. Donc on va essayer de faire ça. Parce que là on va avoir des vagues d'ennemis à tuer. Hein. C'est pour ça que je suis en train de voir. Deux armes couteau. Ok, mais ça m'arrange pas des masses. Couteau. Y a rien d'autre à... Ok. Ah si, là-haut. D'accord. Attends, je peux pas grimper là-dessus, là ? Ok, bon. Tac, grenade IEM, ça va nous servir. Alors, on va découper ça. Hop, je vais aller me recharger. Non, c'est par là. Alors, en fait, ici, il va y avoir plusieurs choses à savoir. Donc, des trucs à récupérer. Alors, les trucs à récupérer, je les ferai, je pense, enfin, je les récupérerai quand j'aurai tué tout le monde. Parce que sinon, bah, c'est un petit peu galère. Donc, on a les trois Enigma Code. Alors, dernier, il me semble qu'on l'a. Ok, bon bah voilà, Ramona tac, est enceinte. Ah ok, donc là on va arriver à la phase très intéressante, il me faudrait mes flingues, pistolets. Est-ce que au niveau des atouts, laser craftwork, victime indirecte avec les ricochets. Alors avec les ricochets, je pense pouvoir le faire ici. Mais ça va être très très chaud. Ok, bon, j'ai pas de fusil d'assaut.
Alors normalement, les mecs ils sont un peu partout en fait. Voilà, là je sais qu'on a un commandant. Alors je sais qu'il y a un chien aussi quelque part. Alors on a un fragment de code qui se trouve juste ici, là en dessous de l'escalier. Attends, je peux pas y aller. Attends, c'est quoi ces conneries? What the fuck? Non, sérieux? Mais normalement, je peux y aller. Bon, c'est pas grave, on va le prendre comme ça. Essayons l'infiltration, mes amis. Alors là, par contre, vous avez plein de caisses avec de la vie et de l'armure, enfin, toutes ces conneries. Donc, normalement, vous devez pas... Ah, est-ce que je peux prendre son fusil? Putain, merde. Ok. Vous devez pas... Enfin, vous devrez pas vous sentir un petit peu abandonné, quoi. Oula, 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 oula. Bon, toi, tu m'as donné un petit peu de mal. Je suis bloqué. Hop. On récupère des balles. Là-bas, j'ai récupéré ton fusil. Ça va, bah, ça va beaucoup même me servir. Donc, le train qu'on doit voler, c'est celui-là. Sauf qu'on pourra pas le voler avant d'avoir en fait tué tous les ennemis de la zone. Tac. Merci pour le fusil. Ok. Bon, il n'y a pas de balles. Il est où mon couteau? Hop. Alors, donc là on va récupérer un élément. Bon, on ramasse ça, ça, ça. Et le fragment de code qui se trouve là, le dernier il est en haut. Là normalement il n'y a plus d'ennemis. Enfin pour le moment, hein, rassurez-vous, de toute façon vous allez en avoir des masses des ennemis. Hein. Tac. Je peux recharger, non. J'ai des trucs à faire aussi avec. Oh là là, c'est le bordel. En fait, le dernier fragment de code, il est là-dedans. Je suis en train de réfléchir à la façon à laquelle je vais pouvoir faire mes atouts. Donc ça, je peux le faire. 5, ça devrait être facile. Je dois toujours en tuer de toute façon 25. Après, j'aimerais bien faire ça. Ça m'arrangerait. Faire 3 victimes consécutives en utilisant des fusils d'assaut. Ça, j'aimerais bien le faire aussi. Alors là, le truc, c'est que on va ouvrir ça. Normalement, il y a un gros machin qui va sortir. Hop, c'est pour ça qu'on se casse. Modèle débloqué, super soldat. Alors attendez, je vais vous le dire. Juste laissez-moi du temps. Super soldat 1960. Au fil des générations, les super soldats ont été perfectionnés pour devenir de véritables chefs-d'œuvre de guerre. Leur corps est recouvert d'un alliage brillant de titane et d'acier. Ils sont généralement armés de canons super laser. Ok. Alors normalement, je crois qu'on peut passer par là aussi. Ah non, ça s'ouvre de l'autre côté. Ok. Alors vous voyez qu'on est obligé de rester appuyé pour passer, sinon on peut pas passer. Tac, je vais garder ça. Alors ici aussi vous avez plein de trucs, des balles.
Tac, bon là je fous bien, mais c'est vraiment pour... Tac. Donc là, on a... j'ai récupéré un fusil à pompe, je crois, non? Non, ok. Donc là, on peut ouvrir la porte. Ça sert à rien, mais on l'ouvre. En bas, il me semble qu'on a... Hop, voilà, de l'armure. Bon, j'aurais peut-être pas dû le prendre, parce que c'était 50, quand même. Tac. Putain, mais attends, je crois que je suis bugué, en fait. Normalement, je peux passer par là. Enfin, je... Ouais, je crois que je suis bugué, hein. Je sais pas pourquoi mon personnage ne veut pas passer. Bon. Ok, bon, bah c'est pas grave. On fera avec. Bon, y a rien d'intéressant, mais c'est pas grave quand même. Une petite sauvegarde. Donc là, normalement, le fusil à pompe se trouve là. Ou pas. Bon, bah il est pas là. On récupère le dernier fragment de code et on a tout récupéré donc dans ce chapitre. Et c'est là que la baston va commencer. Et voilà, donc là vous voyez qu'on a des amis très hostiles qui vont se pointer. Alors ce qui serait bien, c'est que j'arrive à faire ces putains de kills au ricochet, mais... Ok, j'en ai eu un normalement. Ouais, j'en ai eu un. Alors normalement ils viennent à gauche là, donc je sais pas pourquoi ils viennent pas. Voilà, ils viennent là. Ok, donc là attends, il me jette une grenade carrément. Putain, tu vas crever. Donc j'en ai eu un deuxième, sauf que j'ai plus d'énergie. Oh putain. Ah merde. Ah si, je peux encore. Hop. Ah mais le truc il se recharge de toute façon. J'ai juste à attendre, voilà, recharge-toi. Oula oula. Grenada. Putain, je peux pas me recharger là. Je rêve où le mec il est là. Il est fou, lui. Hop. Donc là, j'en suis à combien? 3. Oula. Laissez-moi tranquille, monsieur. Ah, attendez, monsieur, j'ai dit de me laisser tranquille. Alors il est où le bonhomme qui me jette des grenades là? Ok, t'es parti là-bas. Tu viens ou pas? Mais je peux pas passer là. Ah, il faut que je prenne la porte. Grenada. Je t'ai vu. Oh là. Non mais tu veux pas rester tranquille sans bouger? Bon après celui-là, je vais aller un petit peu plus vite, c'est juste pour le temps de le faire, le truc que je mets du temps, voilà. J'en suis à 4 sur 5, et le dernier il est juste là. Comme ça après je suis débarrassé. Hop, bon ça l'a touché.
Tac. Allez, là, il crève, là. Oh, t'es sérieux? Tu vas mourir, mon petit. Hop, voilà, batterie plus. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Alors, j'aimerais bien faire celui-là, mais après, je sais pas s'il y a trois ennemis. En fait, celui-là, ce qui serait le mieux, c'est de le faire dans un couloir où vous avez des tas d'ennemis. Donc, celui-là, on pourra le faire plus tard. Victime à la grenade, donc ça, je pourrais le faire. Donc, le fusil d'assaut, faut encore que je le fasse. Et le laser, bah, faut encore que je tue avec. Ok, bon, là, par contre, on peut se casser. Et alors voilà quelque chose de très intéressant. Pourquoi j'ai fait ça? Je ne sais pas. Ok, le machin il est invincible. On se fout de ma gueule. What? Qui c'est qui ose m'affronter? Hop. Ah ouais, j'en ai deux. Oula, oulala, oulala, oulala. D'accord, ah ouais, en plus j'ai un mec qui est là, là. C'est quoi que tu as? Fusil à pompe. Putain, je suis en train de me faire défoncer. Ce que j'aimerais, c'est recharger mon laser. Ouais, il y en avait bien deux, hein. C'est bien ce qui me semblait. Tac, ok. Il m'en manque un. Ok, il est mort. Tac, il y a quelqu'un d'autre là? Hein? Hein? Quelqu'un d'autre là? Allez-y, allez-y, là, je suis chaud. Je suis chaud patate. Non, personne. Bon, j'ai au moins réussi ça, donc ça, je suis débarrassé. J'en ai tué pas mal aussi. Bon, bah voilà. Hein. Tac, 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 ok, bon. Non, c'est pas ça que je veux. Casse-toi. Tac. Bon bah on va finir ce chapitre hein, vu que là on vient de terminer. Hop. Tac. Et voilà, donc on va se quitter juste après. Connaissance qui livre au chantier naval. Alles in Ordnung, Horst. Du, nimm nicht so viele Kissen, sonst merken die, dass etwas nicht stimmt. Ja, ja. Fournisse des torpilles à tous les sous-marins nazis d'Europe. Tu te cacheras dans cette torpille-là. Horst te remettra avec le reste. Et tu te réveilleras à bord d'un sous-marin pour le petit déjeuner. Dès qu'on a le sous-marin, on rejoint la cachette de 7. Compris? C'est le marin. Dans les pattes. Pan pan clic boum. Allez, bon sang.
Tiens-moi ce machin pendant que je le vide. Ok, Coral, Johnny. On rentre dans la torpille. Une fois à bord du sous-marin, plaque ce truc dans la salle du poste radio. Et déploie les balises radio. Faut qu'on reste en contact. Dans le noir, les rêves s'estompent. Ils semblent si loin. Je veux retrouver la lumière. Tac, et voilà, on va s'arrêter ici les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu, enfin que ces vidéos plutôt, hein, vous auront plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à lâcher un petit commentaire, et quant à moi, bah, je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, vive les jeux vidéo, et à plus tout le monde, ciao ciao.